Je regarde par la fenêtre de ma cabine et je vois une foule en délire qui a hâte d'assister à une nouvelle course mémorable. C'est ici que Lewis Hamilton a remporté sa première victoire en 2007. En 2011, Jenson Button, parti dernier, a gagné la course. Si vous voulez vivre le grand frisson, suivez le Grand Prix du Canada. Vous voulez de la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4,3 km de ce circuit se parcourent pied au plancher sur 59% du tracé avec une pointe à 338 km/h avant la deuxième chicane. Mais cela nécessite une discipline de fer et les quelques murs en bordure de piste rappelleront aux pilotes de ne pas avoir le pied trop lourd. C'est l'un des circuits préférés des spectateurs comme des pilotes. Nous sommes bien au Canada, ce circuit nous a toujours réservé de nombreuses surprises. Et c'est Nicolas Martin qui m'accompagne. Je ne crois pas qu'il y ait un autre circuit qui offre aussi régulièrement des fins de course d'une telle intensité. Naturellement, à la fin du Grand Prix, les freins commencent à être usés, les conditions météo peuvent évoluer. C'est donc une lutte de tous les instants jusqu'au dernier virage. Allez, salut à tous, c'est Angels038 et on se retrouve sur le Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve et avec une météo fort peu clémente puisque on va partir, comme vous le constatez, sous une pluie. Ils annoncent plus légère, pour moi ça pleut quand même pas mal. Donc on voit défiler la grille sous vos yeux. Ricciardo, Felipe Massa et Raikkonen, Vettel, Grosjean, Bottas et Rio Arianto. Une Haas, Kvyat, Jenson Button et Alonso. Hülkenberg, Wehrlein, Carlos Sainz et Sergio Perez. Nasser et Palmer. Kevin Magnussen et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Voilà, la grille a été présentée et donc je suis comme d'habitude en compagnie de Cyril qui va être le coach comme d'habitude avec moi pendant la course. On va essayer de se déjouer de cette météo qui, comme vous pouvez le constater à l'écran, va être changeante. Hein, donc on part sur une météo avec ce qu'ils appellent une pluie légère, puis on aura une accalmie. Ensuite on aura de nouveau de la pluie légère, puis une pluie forte qui reviendra une pluie légère et qui finira sur un temps normalement sec mais nuageux. Donc ce que donne l'ordinateur au niveau stratégie, c'est des pneus intermédiaires jusqu'au 17e tour pour remettre des pneus intermédiaires jusqu'à la fin de la course. Je suis pas persuadé que ça soit la meilleure option. Est-ce que peut-être que Cyril, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que éventuellement on aurait une chance de mettre des pneus secs pendant la course, voire à la fin de la course? Peut-être, certainement pour le dernier tiers de la course, si la pluie s'arrête. En sachant que dès que la pluie s'arrête, bah, les températures de piste vont remonter, donc la piste va s'assécher. Et c'est là qu'il faudra certainement penser à passer les pneus secs. Et moi, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la gomme full wet de Pirelli ne marche véritablement pas. Et c'est limite si la gomme intermédiaire sous la forte pluie fonctionne mieux que la gomme pluie de Pirelli. Voilà mon inquiétude. Ouais, c'est ce qui a en plus a l'air de rejoindre un petit peu ton idée, puisque pendant la période de l'épisode de full wet, enfin de full pluie, hein, en tout cas de pluie forte, à aucun moment les stratèges de l'ordinateur n'indiquent de passer des full wet. Donc bon, on verra bien, on va ajuster en fonction de l'évolution de la piste et de nos positions sur la piste, en tout cas pendant la course. Donc on est parti pour 35 tours. Et ben, on va partir pour le tour de formation, on va rester avec une stratégie basique, hein, ce qui est proposé par défaut, puisque de toute façon on ajustera à mesure pendant la course. Oui, et puis en ajoutant le fait que tu as fini 11e des qualifications, à une place qui correspond vraiment, on va dire, au potentiel de la A, c'est-à-dire le milieu de grille. Voilà, exactement, et en plus vraiment on n'a pas eu de bol sur cette qualification, parce qu'on aurait très bien pu jouer Q3, mais dans les dernières secondes, Arianto nous a chippé la 10e place vraiment à quelques dixièmes. Alors c'est un peu rageant, hein, mais je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux sur ces qualifications, bien qu'elles aient été sous le sec. Oui, puis il faut dire que les monoplaces équipées de moteurs Mercedes, y compris les Manor, sont quand même très à l'aise sur ce circuit, c'est même quasiment leur terrain de jeu, quoi. Exact. Alors c'est marrant parce que donc on a Arianto qui est 10e et puis on a Wehrlein qui est beaucoup plus loin dans le classement. Bah, ça fait un sacré écart entre les deux monoplaces. Ouais, mais cette voiture-là, elle a l'air de pas trop mal marcher sur ce circuit, donc c'est
pas vraiment une surprise de les voir à cette place-là. Alors, quelle température préconisée pour les pneus inter hein, sur cette condition de météo? Oh, s'ils sont déjà à environ 75 ou 80 degrés, c'est pas mal, mais il faut bien les faire chauffer pendant le cours de formation. Alors, ça va être un peu compliqué. Alors, là, je viens de perdre un petit peu la voiture, faut que je fasse attention, parce qu'au moindre coup de frein, c'est la débâcle. Je suis allé me frotter au mur. Alors là, il va falloir aussi faire très attention au départ. Parce que le premier virage ici, c'est souvent, il y a souvent des accrochages qui sont à craindre. Et sous une piste humide, ça rend la chose encore plus complexe. C'est clair. On se rappelle tous de cette année, hein, les deux Mercedes qui s'étaient envoyés dans le décor d'un premier freinage, hein, au premier virage. Et si je dis pas de bêtises, c'était Rosberg hein, qui avait dû s'écarter et aller dans l'échappatoire pour laisser passer tout le monde. Donc voilà, le tour de formation est terminé, tout le monde va finir de se mettre en place sur la grille. Et donc on va nous aussi. Les températures de pneus et de freins sont bonnes en général ? Alors un peu moins de 80 degrés devant, par contre un peu faible à l'arrière, on est en dessous 70. Ouais. Alors les feux s'allument. Il s'éteigne et le départ est donné. On arrive à pas trop mal s'extirper. Ça se décale devant déjà. Grosjean qui se fait attaquer par Arianto. Et je me fais percuter par la McLaren de Button. Donc on a un avertissement pour collision responsable. Et on a un petit peu abîmé notre aileron avant. Il n'est pas complètement défoncé. Mais il a un petit peu reçu dans la bataille. Alors on a fait un petit peu flipper entre les voitures là. C'était à prévoir. Hein. Qu'il y a une
une trajectoire qui est en train de se dessiner. Malgré la pluie, on va essayer de la suivre. Parce que dès qu'on sort de la trajectoire, c'est un peu la cata. La fusée Arianto vient de me doubler. Ah, il y a un pilote hors course, j'ai pas vu qui c'était. Apparemment, ça s'est encadré dans l'épingle. Attention, peut-être le Pescar. Pas pour l'instant. Que tu vois des gouttes de pluie retomber là. Pas encore, mais ça va pas tarder, le ciel il devient très menaçant. Les pneus, ça tient? On est à 26% d'usure. Ok, donc il faut absolument que la pluie retombe maintenant, sinon ça va être très compliqué en hein, vert. Ouais. Il y a une voiture immobilisée vers l'épingle avant la deuxième zone de DRS, mais ça fait pas sortir le safety car. Hein. Faites très attention à cet endroit-là. Tout le monde est dans le pneu sec. Et je viens de me faire embarquer par... Bon, aileron cassé, faut que je rentre. Ok, donc pas rester en inter, vu que la pluie va retomber. Tu sens la pluie retomber là ou pas? Pas encore. Ok, bon bah écoute, on va tenter un pari. Je remets les inters. Et Jeff, il dit quoi pour la météo? Forte pluie d'environ 15 minutes, 15 minutes. Forte pluie dans 15 minutes. Ils avaient annoncé une pluie fine, mais là, je vois pas de pluie tomber. Hein. C'est un peu emmerdant. Ça y est, repleut. Peut-être que le Joker va marcher. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, finalement, je crois qu'on s'est pas trompé.
Et reparti dernier des stands, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, la quantité de conneries qui sort le Jeff. Je suis en mélange 2, il me dit faut arrêter le mélange 3. Par contre, pour le mélange, il faudrait que tu négocies tes virages en mélange 1 et dans les lignes droites en mélange 2. Pour que tu aies un petit peu plus de motricité et de stabilité au freinage aussi. Il y a Hamilton qui vient de me prendre un tour. Il est toujours en pneu slick? Il est en ultra soft. Et la pluie continue à tomber? Ouais. Pour l'instant, là, les inters, ça tient? Ça y est, ça rentre au stand pour changer les gommes. TRS désactivé. Là, je suis en train de revenir sur Hamilton. Il s'est toujours pas arrêté. Non, il est devant moi, là, on est dans la ligne de départ, enfin la ligne de la deuxième zone de DRS. Et il va rentrer ce tour-là. C'est là que tout va se jouer pour nous. Bon, on a 22 secondes de retard sur sur Kiat. Tu sens que t'as le rythme pour remonter? Je fais mon maximum, ça glisse beaucoup. Ok, sois prudent. Encore 10 minutes de pluie fine, puis forte. Ah, j'ai repris 2 secondes sur Kiat en un tour. C'est bien, continue.
Ok, Angel, dis-moi, est-ce que la forte pluie, elle va durer longtemps ou pas, ton avis? Alors, j'ai pas d'infos pour l'instant là-dessus. Normalement, on devrait pas tarder à tomber dans la fenêtre de forte pluie, là. Parce que la question, elle est là. La pluie va bientôt empirer. Forte pluie prévue d'ici 5 minutes. Forte pluie d'ici 5 minutes. Ok. Je me demande si ça vaut vraiment la peine de mettre les foulouettes. Tout va bien pour l'état de tes gommes? 24, 28% devant et 22% à l'arrière. Ok, ça reste correct. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 20,2 secondes. T'arrives vers la mi-course, c'est ça? Ouais, on est dans le 15e tour. On y est pour bientôt. Elle est là, la forte pluie, Angel? On doit être dedans, là. Allez, un petit pescard. Ça pourrait bien nous aider, ça. Ah, ça serait bien. Donc on est dans le tour 18 maintenant et donc on poursuit notre petite remontée. On est à plus qu'une quinzaine de secondes de retard sur
Magnussen maintenant. Kiat a l'air d'avoir doublé le pilote Renault. Et nous pour l'instant on est dans un passage de forte pluie, on va rester avec les inters. Ok Angel, donc on va rester pour l'instant en inter, mais si toutefois la pluie devait persister, que ça les conditions d'adhérence sont trop compliquées à ce moment-là, on envisagera de passer en full wet. Ok, ça marche. Il n'y a plus que 13 secondes de retard sur Magnussen maintenant. Faites très attention maintenant que la pluie forte arrive sur toutes tes réaccélérations en sortie de virage et tes points de freinage. Je me suis fait déconcentrer du coup et j'ai loupé le freinage de l'épingle de la chicane vers le mur des champions. Il n'y a pas eu de mal, hein. Juste un peu court-circuité, pas de pénalité. Et du coup ils nous disent que la pluie forte va durer 15 minutes. Donc pour l'instant on ne bouge pas une oreille, je suis revenu à 12 secondes de Magnussen, donc là je suis en train d'opérer une grosse remontée. Ok Angel, tant que les inter fonctionnent, on reste en piste. Alors là on vient de faire une belle luge, ça fait un tout droit mais c'est normal, en même temps en freinant sur la flotte. On est revenu à 10 secondes maintenant de Magnussen, 10 secondes. Ok, Angel, attention à tes points de freinage, il faut que tu les anticipes un peu plus. Ok Angel, est-ce que tu arrives à tenir l'auto? Ça va, je la tiens. Ok, on continue pour l'instant. Forte pluie encore 10 minutes, puis transition vers plus fine. Personne n'est rentré mettre les foulouettes. Hein. C'est bien ce que je pensais, parce que la gomme pluie ne marche pas. Ah, mais c'est une IA en même temps.
J'ai opéré la jonction quasiment sur Magnussen. Les gommes tiennent toujours. 41 et 42% à l'avant et 34% à l'arrière. Il va falloir quand même penser un petit peu à les ménager aussi. Il faut absolument ménager les pneus jusqu'à ce que la pluie s'arrête pour le dernier tiers de la course. Comme ça, on pourra tenter un coup de poker. Ok. Ça rentre au stand. Qu'est-ce que ça chausse? Full wet, Perez. Et 10 minutes qui restent avant la pluie modérée. Ouais, même moins maintenant, on devrait rester 5 minutes. Ok, donc on reste en inter. Romain dans les stands. Romain vient de prendre la ligne des stands. Romain est dans les stands. Il passe aussi en full wet, je parie. Ouais. Magnussen qui rentre aussi. Magnussen s'arrête au stand. Donc tu me confirmes que les inters marchent bien sous la forte pluie? Alors marche bien, c'est un bien grand mot. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas trop à m'en plaindre pour l'instant. Je pars pas, j'ai pas la voiture qui part en tonneau dès que j'accélère. Quoi. Bon, c'est déjà ça. Tiens, on va pouvoir faire un test, il y a Alonso qui sort avec les full wet juste devant moi. On va voir si je peux le suivre. On arrive dans la fenêtre d'accalmie, pardon, c'est ça? On arrive dans la fenêtre d'accalmie, ça devrait pas tarder. Je peux pas demander pour l'instant à Jeff la météo, mais je vais pas tarder à lui demander. Fais-le dans la grande ligne droite avant la dernière chicane. Ouais.
15 minutes de pluie, c'est tout ce qu'il me dit. Ok. T'es à quelle place t'es pour l'instant? 16e. Il est toujours devant toi, Magnussen ? Non, il est derrière. Ah. Qui c'est que je suis entre Alonso et Perez. Ah, ok. Et l'écart, ça donne quoi ? 4 secondes pour Alonso, voire 5 même, et 8 pour Perez. Ils vont pas tarder à s'arrêter pour mettre des ampères. Plus fine dans 2 minutes. Allez. Ça veut certainement dire qu'ils ont arrangé leur problème.
Voilà, on est dans le 28e tour et la pluie forte est en train de passer. On devrait reprendre l'avantage alors qu'on a un drapeau bleu qui vient de s'allumer, un Hamilton qui devrait repasser, je pense. Et Jeff, il dit quoi pour le passage au sec? Alors, Mr. Jeff. Il dit rien. La pluie devrait s'arrêter d'ici 10 minutes. Prépare les ultra surf. C'est fait. Ils me les ont déjà préparés. Alors j'ai Blue Flag, on va laisser passer Hamilton. Ah, s'il veut bien, hein, parce que c'est pas que je veux pas, mais. Je suis à la chasse au Arianto en même temps, donc. De toute façon, on va essayer de tenter un pari pour remonter en passant les secs en fin de course. Notamment les ultra soft. En tout cas, je suis clairement en train de reprendre l'avantage là. On a serré les miches là pendant 2-3 tours. Et l'état de tes gommes, ça tient? Ça rentre au stand. Romain dans les stands. Mes gommes 53 avant droit, avant gauche, 57 avant droit et 47 à l'arrière. Ça va, je pensais que ça serait pire. Ah, j'ai fait comme tu m'as dit, chef. C'est bien, bonne gestion. C'est bon, ça rentre au stand pour repasser des inters. Là, ceux qui s'arrêtent maintenant, Angel, ils vont certainement finir en inter. Hein. Ouais. Donc on a peut-être encore une carte à jouer. Donc on est 13ème derrière Sainz. Et l'écart il est de combien avec Sainz? 1 seconde 2. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Et juste devant Sainz, il y a Perez. Okay, bon, Hülkenberg, pardon. Faut que tu tiennes le coup environ 5 minutes avant qu'on passe les ultra surf.
Ça va. Sans gravité, contact avec Sainz, mais pas de mal. Pas de dégâts sur l'auto? Non. C'est moi qui me suis... En fait, j'ai bloqué les roues avant, j'ai pas pu ralentir, et du coup, je me suis accroché avec son arrière, et comme les voitures, après, elles sont aimantées quand... Ouais, je vois. Quand elles se touchent, j'ai pas pu décrocher. Compris, on dirait. On arrive à 62 et 65% d'usure hein, sur l'avant. Ok Angel, tu pourrais faire un point météo vite fait. Alors pour l'instant il tombe encore des gouttes, je vais faire une question à Jeff. D'accord, il veut pas me donner d'informations. Combien de tours il reste, Angel? Deux tours. Je vais rouler sur le mouillé pour les refroidir. Est-ce que tu vois que la piste s'assèche, Angel? On a une trajectoire, ouais. C'est pour ça que j'essaie de rouiller sur le mouillé quand il y a des lignes droites. Ok, Angel Box, on va passer tout de suite en ultra slow. Mais il reste un tour. Bon. Ah ben alors, on va rester comme ça, de toute façon. Dans ces conditions, j'en vois pas l'intérêt. On va juste croiser les doigts pour que les pneus lâchent pas. C'est le dernier tour là? On va rentrer dans le dernier tour. Quoique, attends. Est-ce qu'Hamilton est passé? Non, il est derrière. C'est passé Hamilton, donc ça nous fait un tour de moins. Oh punaise. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, Hamilton est passé. Et Alonso qui le suivait, et ben il en a profité. Dit qu'on a perdu une place sur la ligne.
Donc ça nous fait finir 14e. C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret d'estampes permet de... Bon, ben, je pense que c'est au départ où ça s'est joué. Il y a eu ça, et puis il y a eu ton accrochage un peu plus tard qui fait que c'était compliqué de finir mieux, de faire mieux dans ces conditions. Ouais, c'est clair, hein, cet accrochage il nous aura mis dedans parce qu'on aura perdu du temps au premier arrêt pour réparer l'aileron. Ouais. Et du coup, on a fait une remontée, hein. On était dernier pendant une bonne partie de la course et on a réussi quand même à remonter dans des places. Bon, ça fait pas des points ça. On aura Romain qui quand même ramènera un peu des points pour l'écurie, qui a fini 9e. Ouais. Mais c'est sûr que là pour le coup. C'est sûr, et puis c'était compliqué, et il aurait peut-être fallu que la météo, la pluie s'arrête dans le dernier tiers de course, donc ça s'est pas fait. Donc à partir de là, après ton arrêt pour changer ton aileron, le mieux c'était de tenter un pari et de finir la course avec ses pneus et de laisser passer l'orage avec la forte pluie. Ouais, on a essayé de gérer au mieux, hein. Les pneus sont allés jusqu'au bout, alors du coup en laissant passer Hamilton parce que sinon j'allais me prendre une pénalité à cause du drapeau bleu. Alonso était opportuniste, hein, il a bien fait, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Donc au classement à l'arrivée, Lewis Hamilton qui s'impose devant Sébastien Vettel, Rosberg 3e, Verstappen 4e, Raikkonen 5e, Ricciardo 6e, Massa 7e, Bottas 8e. On retrouve Romain Grosjean à la 9e place, Jenson Button 10e, Hülkenberg 11e, Sainz 12e. Donc Fernando Alonso hein, qui vient nous chipper la 13e place sur la ligne de départ arrivée. Et puis je finis à la 14e place devant Wehrlein, Arianto, Perez, Kiat, Palmer, Magnussen, Nasser et Marcus Ericsson qui a abandonné. Donc déjà au niveau du défi de rival, on a pris l'avantage. Maintenant, par rapport à notre coéquipier, c'est sûr que là pour le coup on n'aurait pas été devant. On essaiera de se refaire sur le prochain Grand Prix. Oui, et puis il y a les points R&D pour voir ce qu'on a récolté aussi. Voilà, tout à fait. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. C'est un bon résultat pour Lewis Hamilton. Alors, au championnat du monde des pilotes, on retrouve Lewis Hamilton devant Sébastien Vettel. Hein, toujours le classement inchangé pour l'instant pour les 7 premières places. Nico Rosberg, Verstappen, Bottas, Raikkonen, Ricciardo. On a Massa qui a pris l'avantage sur Nasser, ce qui est logique. Hein, c'était vraiment un coup de poker, enfin un coup de hasard, le coup de Monaco la dernière fois. Pour nous, en tout cas, on se retrouve à égalité au niveau du pilote brésilien de l'écurie Sauber. Après, derrière, on retrouve Marcus Ericsson, Carlos Sainz, Hülkenberg qui est remonté sur Fernando Alonso, Jenson Button sur Perez, notre coéquipier qui est remonté à la 20e place, et derrière, on a Palmer et Arianto au championnat du monde. Des constructeurs, donc toujours Mercedes devant Ferrari, Red Bull 3e, Williams 4e, Sauber 5e, 6e Toro Rosso. On est 7e pour l'instant. Alors il n'y a pas un gros écart entre Toro Rosso, Sauber et nous-mêmes, donc il y a une possibilité d'aller récupérer la 5e place. Derrière on a Renault, puis Honda, McLaren, Force India, Manor, et donc voilà pour l'état du championnat à l'issue de ce Grand Prix du Canada. Donc on va faire le point au niveau des résultats de ce Grand Prix, au niveau des points récoltés. Donc on a réussi partiellement, puisqu'on a quand même perdu 3 places, donc ça nous fait pas un gros apport de points. Ce qui nous fait au final 939 points R&D hein, récoltés pour ce week-end de Grand Prix. Il va falloir qu'on en récolte autant, voire un peu plus la prochaine fois pour pouvoir envisager de faire des bonnes avancées telles que le Monkey Seat par exemple là, sur la voiture. Et donc voilà au niveau du tête-à-tête, du face-à-face face à Marcus Ericsson, on a été mieux que lui quoi qu'il arrive puisque... Voilà, il a pas fini la course, on a été plus rapide que lui, enfin voilà, donc la mission a été accomplie pour nous en tout cas.
Par contre, au niveau du statut au sein de l'écurie, eh ben, on n'a pas réussi à tenir les deux objectifs, hein, ça fait qu'on est redescendu un petit peu. Mais bon, voilà, on est toujours à 9 sur 10, hein, c'est ce qui est plutôt pas mal. J'espère quand même qu'on finira peut-être à changer de statut d'ici quelques courses, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur F1 2016. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.